America is back. Manantum. Nous sommes deux vieilles nations dans le monde. Le Royaume-Uni et la France. لن يتحقق لكم سلام بالعدوان وإن هذه الدماء بالروح بالدم تكون لعنة عليكم نبديك يا أقصى إن المعركة ليست معركة فرد وليست معركة جيش وإنما هي معركة شعب ومعركة أمة بأسرها بيوتكم في انتظاركم مساجدكم في انتظاركم كنائسكم في انتظاركم فهم لكم ولأولادكم. Vous écoutez L'Histoire en Marche, un programme réalisé par Jalil Akhdar, coordonné par Sami Hahel et Marim Abdou, pour vous accompagner au micro. Dans sa livraison de mardi, le Washington Post indiquait que l'administration Biden est inquiète d'une nouvelle catastrophe humanitaire et semble réfléchir aux moyens d'empêcher Israël, écrit l'auteur de l'article, d'utiliser des armes américaines en cas d'attaque de la zone densément peuplée autour de la ville de Rafah. Le quotidien américain écrit que selon un rapport d'Axios, la vice-présidente Kamala Harris et le conseiller à la sécurité nationale Jack Sullivan ont vivement remis en question le plan d'attaque de Rafah lors de réunions avec Benny Gantz en visite à Washington. Le Washington Post précise que bien que Gantz soit considéré comme le principal rival politique de Benjamin Netanyahu, les deux seraient d'accord pour attaquer Rafah. Avec nous pour connaître les relations aujourd'hui entre Washington et l'entité d'occupation, avec nous, Monsieur Rachid Khalidi. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes spécialiste de l'histoire du Moyen-Orient, détenteur de la chaire Édouard de Saïd, directeur du département du Moyen-Orient à l'Université Columbia. Monsieur Rachid Khalidi, doit-on continuer à parler d'alliance aujourd'hui? Les États-Unis ont choisi, sous ce président et sous d'autres administrations, être totalement alliés avec la politique israélienne. Bien qu'ils parlent de deux États, en pratique, ils appuient le statu quo qui était celui d'occupation et de colonisation. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Et l'appui des États-Unis pour Israël durant ces guerres contre les Palestiniens était constant. On voit même un approfondissement de l'appui américain à Israël. Monsieur Rachid Khalidi, est-ce qu'il vous semble dans ces conditions que le gouvernement américain actuel se rend complice d'un plan israélien visant notamment à déporter la population vers d'autres territoires? C'était clair durant la première semaine de la guerre que le ministre des Affaires étrangères, Anthony Blinken, a essayé en Égypte, en Jordanie et aussi avec l'Arabie Saoudite de les convaincre de prendre des réfugiés palestiniens que Israël voulait chasser de la Palestine vers l'Égypte et vers la Jordanie. Tous les trois ont refusé. On a des preuves parce que le gouvernement a demandé du Congrès des fonds pour des réfugiés de Gaza qui doivent être chassés. Donc oui, c'est clair que les États-Unis, au moins durant les premières semaines de la guerre, ont appuyé ces plans israéliens. Le refus de tous ces trois pays ont changé la donne. Vous avez également indiqué que le sionisme n'a jamais eu honte dans ses premières décennies de se décrire comme un projet colonial. Ceci a été accepté par les alliés actuels. Dans quelle mesure ce projet colonial devient-il aujourd'hui un projet colonial politique accepté par les uns et sans doute par les autres également? Durant les années 20 et 30, on était dans un air colonial. La France était en Algérie. Oui. Les Anglais colonisaient l'Égypte, l'Inde, etc. Personne n'avait honte de dire « nous sommes des coloniaux, nous les sionistes ». C'était accepté globalement. Tout a changé après la Seconde Guerre mondiale, bien sûr. On entrait dans l'ère de décolonisation et les sionistes ont changé de visage. Et aujourd'hui, si on dit que Israël c'est un fait colonial, ce que Maxime Rondasson a dit dans les années 60, on attaque. On dit non, c'est pas un fait colonial. Je parle des États-Unis et quelques pays de l'Ouest. Les Israéliens, ils savent, bien qu'ils le cachent, que c'est un fait colonial.
Mais dans l'Ouest, c'est difficile de dire ça. Que gagnent les États-Unis dans cette bataille engagée notamment contre une population civile? Que gagnent les États-Unis dans leur positionnement en faveur d'une force d'occupation? À vrai dire, c'est une question difficile, parce que les États-Unis perdent globalement dans le monde musulman, dans le monde arabe bien sûr, sur tous les plans, avec cet appui aveugle à l'Israël. Mais domestiquement, pour beaucoup de politiques américains, c'est payant en fric, oui, et aussi en vote. Donc il y a des gens qui appuient Israël aux États-Unis. Il y a des gens qui sont prêts à appuyer les candidats qui appuient Israël financièrement. Pour les États-Unis, bien qu'ils vont perdre beaucoup, le fait qu'Israël a cette puissance militaire pour les Américains, stratégiquement, il y a des gens qui pensent que ça, c'est un atout. Est-ce que cette guerre n'a pas jeté une ombre sur ce propos, M. Rachid Khalidi? Plus de 400 hauts fonctionnaires et experts représentants de 40 agences gouvernementales ont signé une lettre adressée au président Biden pour protester contre son soutien à Israël, disent-ils, et à sa guerre barbare dans la bande Gaza. Il s'agit d'une révolution sans précédent dans la politique américaine depuis la guerre du Vietnam. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui un renversement de situation? Oui, il y a un gros changement. Surtout chez les jeunes, on trouve sur les campus des universités américaines un mouvement qui est, je crois, majoritaire dans beaucoup de ces campus. On voit chez les minorités américaines, oui, chez les Noirs, chez les Latinos, un appui à la Palestine qui n'était pas là il y a 30-40 ans. Donc il y a des grands bouleversements, des grands changements. Il y a un sondage qui disait que 75% des voteurs démocratiques sont contre la politique de Biden sur Gaza. Ça, c'est une preuve d'un changement de base dans beaucoup de secteurs de la société américaine. Autre facteur, autre paramètre, cette guerre divise y compris les républicains au sein du parti républicain même. Allons-nous assister à un point de non-retour? Est-ce que cette guerre finalement va marquer une scission avec le passé en Palestine? Peut-être. Je trouve qu'il y a un tournant à cause du fait que l'armée israélienne qui se vantait la plus forte, l'armée la plus forte de la région, a été défaite, bien sûr, pour un jour, deux jours. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Le nombre de gens tués chez les Israéliens et surtout chez les Palestiniens. Oui. On n'a pas vu ces nombres chez les Palestiniens depuis 1948. En 1948, durant la Nakba, il y avait 20 000 de Palestiniens qui ont été tués. La guerre de 1948, ça a duré plus qu'un an. Aussi chez les Israéliens, les pertes étaient les plus hautes depuis 1948. Donc peut-être on peut envisager, avec ces changements aux États-Unis, ces changements globaux, oui, on peut envisager que ça c'est un tournant. Mais on ne saura qu'après cette guerre, qu'après que cette guerre est finie. À quoi allons-nous aboutir? Qu'est-ce qui va arrêter la machine de guerre israélienne? Il n'y a que la pression mondiale qui va arrêter la machine israélienne. Et ces pressions internationales, et arabes surtout, peuvent changer la donne aux États-Unis. Sans l'appui des États-Unis, l'Israël ne peut pas continuer. 14 milliards de dollars, ce sont pour des munitions. Oui. Sans ces munitions, l'artillerie israélienne ne peut pas frapper Gaza. Sans ces bombes américaines, l'aviation israélienne ne peut pas frapper Gaza et tuer tous ces gens-là. Donc, il n'y a que la pression de l'extérieur sur les États-Unis, qui peut changer cette donne-là. Le 7 octobre sera un cas d'école dans les écoles de guerre, en l'occurrence, M. Rachid Khalidi. Je crois que oui. Je parle pas des pertes civiles. Je parle de la défaite d'une division de l'armée israélienne. Je parle de la défaite sous tout ce système technique et de surveillance que les Israéliens pensaient peuvent limiter les possibilités d'attaque de chez Hamas. Je sais pas, en fin de cette guerre, où sera Hamas militairement, mais politiquement, c'est impossible d'anéantir un tel mouvement, surtout si les États-Unis sont contre une solution politique en Palestine. Ce qui est le fait. Les Américains parlent de deux États, mais ils ne font rien pour arrêter une occupation qui a duré 56 ans. Ils ne font rien pour arrêter la colonisation qui continue chaque jour dans la Cisjordanie. Ils ne font rien pour essayer de limiter ce que fait Israël. Donc, sans dépression de l'extérieur, je ne vois pas un changement, un arrêt de cette guerre horrible.
Ce sera ma dernière question, monsieur Rachid Khalidi. Vous avez été conseiller auprès des négociateurs palestiniens pour les pourparlers de paix dans les années 90. Est-ce qu'il vous semble aujourd'hui, a posteriori, qu'il y a eu ou qu'il y a un échec politique ? De chez les Palestiniens ? De tous les côtés, hein. J'aimerais également que l'on parle de l'autorité palestinienne. Comment jugez-vous cela ? Mais de tous les côtés, est-ce qu'il vous semble qu'il y a eu un échec politique ? Bien sûr. J'ai une critique très forte de la politique américaine durant les années 90 et depuis les années 90. Aussi de la politique israélienne. Il n'y avait pas d'intention d'accepter la possibilité d'autodétermination du peuple palestinien. Il n'y avait pas une possibilité chez les Israéliens ni les Américains d'accepter un État souverain, contigu et qui peut vivre économiquement. C'est la faute de tous ces pays-là, les États-Unis, les autres pays de l'Ouest et d'Israël. Mais il y a aussi des fautes de chez les Palestiniens. Lesquelles ? Lesquelles ? Accepter ce qu'ils ont accepté à Oslo, c'était une grave faute. Ça, c'était pas la voie d'indépendance. C'était une voie vers la continuation de la colonisation de Palestine et pour la continuation de l'occupation. C'était une grave faute chez l'OLP. Trop de concessions, selon vous, monsieur Rachid Khalidi ? Bien sûr. Bien sûr. Moi, j'étais conseiller à la délégation palestinienne qui est allée à Madrid en 91 et qui a continué des négociations à Washington pour 2 ans, jusqu'à 93. Les termes qu'on nous a offerts n'étaient pas acceptables à notre délégation. Ils ne pouvaient pas aboutir à un État indépendant en Cisjordanie, Jérusalem d'Est et Gaza. Impossible. Mais l'OLP a accepté les mêmes termes. Et on voit ce qui s'est passé. Et on voit ce qui se passe aujourd'hui. Exactement. Monsieur Rachid Khalidi, merci d'avoir bien voulu réaliser cet entretien. Merci beaucoup, monsieur. Pas de problème. Rachid Khalidi est historien américain d'origine palestinienne, spécialiste de l'histoire du Moyen-Orient. Il est détenteur de la chaire Édouard de Saïd et directeur du département du Moyen-Orient à l'Université Columbia. Il est rédacteur en chef du journal des études palestiniennes. Il a été conseiller auprès de négociateurs palestiniens dans les processus de paix dans les années 90 et il était avec nous à partir de New York. Les experts de l'ONU ont exprimé leur vive inquiétude quant à la détention arbitraire, aussi bien à Gaza qu'en Cisjordanie, de centaines de femmes et de filles palestiniennes par l'entité d'occupation. Celles-ci sont soumises à des traitements inhumains et dégradants, privées de nourriture et de médicaments. Certaines, sévèrement battues, ont été enfermées dans une cage, sous la pluie et dans le froid. Les experts font état d'un nombre indéterminé de femmes et d'enfants palestiniens, y compris les filles disparues après avoir été en contact avec des militaires sionistes. Depuis des mois, des prisonnières palestiniennes témoignent des tortures qu'elles subissent de la part des autorités militaires et pénitentiaires israéliennes. De nouveaux rapports mettent en lumière les abus, en particulier les violences sexuelles perpétrées dans les centres de détention israéliens. C'est ce qu'indiquent les experts de l'ONU, des témoignages rendus publics aujourd'hui par des Palestiniennes libérées. خلال التحقيق معي اللي استمر مدة 45 يوم تم استخدام أساليب مختلفة منها ضغط جسدي للضغط النفسي للضغط الاجتماعي كان التحقيق المتواصل من 8 ساعات في اليوم ل 20 ساعة فكانوا يسمعوني أصوات شباب وما بتحققوا معهم تحقيق عسكري يعني أصوات صراخهم والضرب في مرات إنه يوصل لمرحلة إنه تحرش بشكل واضح لما مثلا كان في محقق كان يقعد أنا أكون على الكرسي قاعدة ومكلبشة لورا إيدي لورا ورجلي مكلبشين بالكرسي يجي يقعد يفتح رجلي مباشرة يعني الطاولة كثير قريبة مني يفتح رجلي وبلش يتغزل في أول ما يوصلوا مثلا على السجن بعطوهم مسكنات كثير ومؤدئات بعدين بصير إنه خلاص يقطعوا بصير يحكوا إنه مثلا هذا الدواء مش متوفر فالبنات بعد ما تعودوا على هذا الدواء بيقطعوه عليهم وما بيعالجوهم من كل هذا العذاب إحنا بالآخر عن رد بنطلع أقوى
Avant de retrouver notre invitée Fadwa Kiouane, directrice de l'Organisation des femmes arabes, je vous propose ce retour sur les conditions carcérale des femmes palestiniennes, racontée par Shawan Jabarin, directeur général de l'organisation El Haq de défense des droits des prisonniers palestiniens et des droits de l'homme en territoire occupé. L'occupation agit avec les détenues palestiniennes en les isolant. Ce comportement est un moyen de pression. L'occupation suppose que l'on peut exercer plus de pression sur les femmes. C'est un comportement de genre. Il y a plus de cruauté envers les femmes détenues, plus d'humiliation, par diverses façons. Ceci est également lié à ce qui est qualifié de ministre de la sécurité intérieure israélien, Ben Gafir, un fasciste qui déverse toute sa cruauté et son inhumanisme sur les détenus. Nous devons à cet effet attirer l'attention sur ce qu'ils subissent. Nous ne cachons pas notre inquiétude à cet égard. لا أخفيك قلقنا الكبير والواسع اتجاه قيادات الأسرى والأسرى بشكل عام لأنه حتى الآن منذ 7 أكتوبر حتى الآن Depuis le 7 octobre, 6 Palestiniens ont été assassinés, exécutés de différentes manières. Ce n'est pas un hasard. Il n'y a pas que l'humiliation des détenus, mais leur assassinat. L'occupation pensant qu'ils vont être libérés va loin dans ses agissements, y compris lors des débats. À la Knesset, un projet de loi de condamnation à mort de détenus palestiniens était en débat. حتى في النقاش بالكنيسة في موضوع تقديم مشروع قرار بالإعدام صحيح bien plus ils vont au-delà des lois adoptées par les États dans le monde qui indiquent que le code pénal n'est pas rétroactif quand il s'agit d'anciens faits liés à des crimes ou à des assassinats قانون العقوبات بأثر رجعي على جريمة حصلت أو على واقعة حصلت سابقا Aujourd'hui, ils ne voient rien, ni les femmes, ni les enfants tués. Il y a des tortures, des assassinats. Ceci se passe sans aucun problème pour eux. La situation est très dangereuse. Et dans les jours à venir, dans les heures à venir, ils peuvent agresser des détenus et les assassiner. يعني قد يكون الوضع خطير وقد تكون في الأيام القادمة الساعات القادمة غيره إنه ممكن يعني يتم الاعتداء على بعضهم. C'est ça l'occupation sauvage. فهذا هو الاحتلال الوحشي. سيد شوان جبرين شكرا جزيلا لكم سيدي لحضوركم معنا شكرا. شكرا لكم شكرا. Shawan Jabarin est directeur général de l'association El Haq, organisation palestinienne de défense des droits de l'homme et notamment des prisonniers palestiniens. Et il était avec nous à partir de Ramallah. Mariam Dossari, maître de conférence à l'Université de Londres, écrivait « Dès le début de la guerre contre Gaza, un discours troublant était omniprésent dans les médias occidentaux, présentant Israël comme un exemple de la civilisation. Malgré la mise en garde de la Cour internationale de justice, disant qu'il était plausible que l'assaut d'Israël contre Gaza soit un génocide, certaines des plus ardentes défenseuses du féminisme occidental qui s'élève contre la violence sexiste semble avoir réservé leur solidarité avec les femmes israéliennes, accusant la communauté internationale de garder le silence sur de prétendues agressions sexuelles qu'auraient subies les femmes israéliennes le 7 octobre. Avec nous en ligne, Madame Fadwa Kiouane, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes directrice de l'Organisation des femmes arabes, fondatrice, ancienne directrice de l'Institut des sciences politiques de Beyrouth. Madame Fadwa Kiouane, les agressions physiques contre les femmes palestiniennes ont atteint un niveau sans précédent. Toutefois, la communauté internationale, quand celle-ci les dénonce, elle le fait du bout des lèvres.
En fait, la communauté internationale est composée de l'opinion publique internationale qui réagit très bien et qui est en parfaite compassion avec le peuple palestinien qui vit cette tragédie. Mais malheureusement, ce qu'on appelle la communauté internationale, ce sont les décideurs internationaux qui, eux, par contre, sont presque désinvoltes à traiter de la question d'une manière tout à fait froide, et c'est absolument choquant pour nous tous. Nous continuons de faire pression pour que les uns et les autres puissent se décider à aller vers un cessez-le-feu pour commencer et faciliter d'une manière systématique l'envoi des secours en urgence. Et évidemment, ce que nous pourrions demander à moyen terme, c'est de lancer une initiative à partir des Nations Unies, donc au sein du cadre multilatéral et non pas unilatéral des uns et des autres, pour qu'il y ait une solution définitive et une reconnaissance des droits du peuple palestinien, et que cette question qui saigne, c'est une hémorragie depuis 75 ans, plus de 75 ans, il faut que ça s'arrête. Il ne s'agit pas seulement de réclamer un cessez-le-feu. La communauté internationale, la communauté des États, a une responsabilité morale de faire cesser cette guerre contre un peuple qui se déroule depuis plusieurs mois. Madame Fadwa Kiwan, depuis la guerre de 1967, plus de 17 000 femmes et filles ont été incarcérées dans les prisons israéliennes. Ces femmes représentent des secteurs vitaux et essentiels du peuple palestinien. Parmi elles, des enseignantes, des médecins, des journalistes, des écrivains, des élus au Parlement et aux conseils locaux. Elles sont aussi des mères. Certaines d'entre elles ont donné naissance en captivité. Aujourd'hui, l'on fait fi de tout cela. Au sein des instances international, cette réalité est totalement occultée. La question de la captivité des milliers de femmes palestiniennes qui sont dans les prisons israéliennes et très souvent sans avoir des charges réelles, sans être portées coupables. On appelle ça en Israël la prison administrative, qui n'est pas tenue par des délais, qui n'est pas tenue d'avoir des charges précises à l'encontre des personnes qui sont emprisonnées, eh bien, elles sont des milliers depuis des années. Et nous avons déjà écrit plusieurs fois au commissaire des droits de l'homme à Genève pour attirer l'attention du Haut Commissariat aux droits de l'homme sur cette question inhumaine qui est une violation qualifiée du droit international humanitaire, et personne n'a bougé. Personne n'a bougé jusqu'ici. On n'a même pas reçu de réponse. Mais on continue de faire pression, il faut continuer. Vous avez joué un rôle majeur, les médias, dans l'évolution de l'opinion publique internationale dans la question de Gaza. Au cours de ces derniers mois, on a vu une évolution de l'opinion publique internationale, et c'est grâce à vous. Et donc les uns et les autres, nous avons à continuer à faire pression pour que la vérité soit vue par tous et que des actions réelles et efficaces soient prises, surtout au niveau des Nations Unies. Madame Fadwa Kiwan, je rappelle que vous êtes directrice de l'Organisation des femmes arabes, fondatrice également de l'Institut des sciences politiques de Beyrouth. Madame Fadwa Kiwan, des violences physiques sont mentionnées uniquement en référence à ce que les Palestiniens ont fait, je cite, les propos de représentants, de chefs d'État au sein de l'enceinte onusienne, en référence à ce qui a été fait aux Israéliens. Toutefois, aucun pays soutenant l'entité sioniste, tel que les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, le Canada, l'Autriche, l'Australie et d'autres, même la représentante spéciale du secrétaire général chargée de la violence sexuelle en temps de conflit, Pramila Patten, est allée plus loin et a exprimé dans une déclaration vigoureuse sa profonde préoccupation concernant les rapports émergents sur la violence sexuelle contre les femmes et les hommes pendant leur détention, je cite, par le Hamas. Comment jugez-vous cela ? Ce sont des allégations, madame. Dès lors où il n'y a pas de preuves à l'appui, ce sont des allégations qui sont produites par les médias tout-puissants qui sont les alliés de l'État d'Israël. Et malheureusement, les Nations Unies auraient dû dépêcher très vite une commission d'enquête dans les deux camps pour s'assurer des faits, ce qui n'a pas été fait. Donc ce sont des allégations. Par contre, nous savons de notre côté qu'il y a beaucoup d'abus à l'égard des femmes, beaucoup de violations des droits fondamentaux des femmes et des filles en détention et dans les moments maintenant de bombardement et de déplacement forcé des populations. Eh bien, ce sont des situations tragiques, ce sont des situations où il y a une violation outrancière du droit international humanitaire, et la nation ne bouge pas. Écoutez, dimanche,
On sera à New York pour la tenue de la conférence annuelle sur le CSW, on l'appelle, c'est la Commission on the Status of Women, la Commission sur la situation des femmes. Et nous allons rencontrer de hauts responsables des Nations Unies et nous allons de nouveau demander avec insistance qu'il y ait une commission d'enquête. Nous avons demandé à nos frères et sœurs palestiniens de collecter des données, d'avoir une documentation à l'appui pour que les faits soient rendus publics, pour qu'ils soient documentés pour que justice soit faite. Nous considérons que ce sont des allégations. Personnellement, je crois que le Hamas, moi je ne veux pas du tout défendre le Hamas, mais je crois que les combattants du Hamas ne sont pas des coupeurs de route. Donc il y a dans ce milieu islamiste, il y a généralement une sacralisation des femmes. On ne vient pas abuser des femmes. Il y a une éthique. Et les personnes en détention chez le Hamas, on les a vues à la télé. Absolument. Quand ils en ont libéré quelques-unes, on les a vues les saluer et leur sourire. Dimanche, vous serez donc à New York, Madame Fadwa Kiwan. Oui. Qu'est-ce qui est attendu aujourd'hui de ces instances internationales, l'ONU, la Cour internationale de justice, la Cour pénale internationale? Je vous pose, pardonnez-moi, vous pose la question parce que ni Patton, ni le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, ni la représentante du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, Virginia Gamba, ni la représentante spéciale pour la prévention et la répression du crime de génocide, Alice Wereno, ne se sont prononcés, on va dire, de façon claire à ce sujet. Oui, nous sommes choqués par ce déni des réalités, mais nous continuons de faire pression et notre présence, parce qu'il y aura des délégations de tous les pays arabes, nous allons tous nous concerter et faire des contacts, faire des réunions avec les hauts responsables pour les presser d'envoyer des commissions d'enquête parallèlement à leur action pour le cessez-le-feu et l'envoi rapide des aides urgentes aux populations qui sont toujours à Gaza. Cela dit, je crois que la pression va pousser les Nations Unies à œuvrer plus rapidement parce que les Nations Unies, ils sont sous la pression des pays qui ne veulent pas qu'il y ait une action onusienne. Vous savez que le monde actuel, il est partagé entre la volonté de la plupart des États qui veulent une action multilatérale à l'échelle internationale pour pouvoir réguler les conflits dans le monde. Et face à cette volonté de multilatéralisme, il y a un désir d'unilatéralisme chez certaines grandes puissances qui cherchent à tirer les draps de leur côté et à mener le monde vers le chaos, malheureusement, et vers les guerres. Nous allons de guerre en guerre, d'instabilité en instabilité. Regardez ce qui est arrivé en Ukraine. Ça a secoué toute l'Europe pour des années et des années. Ils ont détruit l'Ukraine. Et ça, c'est un conflit de puissance. Si le multilatéralisme au sein des Nations Unies avait été efficace, tout cela n'aurait pas pu prendre cette dimension, ces proportions et durer aussi longtemps. Eh bien, nous déplorons justement l'unilatéralisme et nous appelons à la consolidation de l'action multilatérale de toutes les nations réunies pour calmer les lieux de tension et en particulier pour calmer le Moyen-Orient, pour calmer le Proche-Orient et pour trouver des solutions définitives à des conflits qui durent depuis plusieurs décennies. Tout à fait. C'est vraiment tragique. C'est vraiment tragique. Mais et nous devons continuer à lever le ton, à lever le poing, je dirais, pour dire notre colère et à faire des contacts. Et je crois qu'un jour, nous arriverons à faire bouger la communauté internationale pour qu'elle réponde aux vœux très profonds de l'opinion publique internationale qui est tout à fait aujourd'hui mobilisée en faveur de la population de Gaza. Depuis la guerre de 1967, plus de 17 000 femmes et filles ont été incarcérées dans les prisons de l'occupation. Ces femmes représentent des secteurs vitaux et essentiels du peuple palestinien. Parmi elles, des enseignantes, des médecins, des journalistes, des écrivaines, des élus au Parlement et aux conseils locaux. Elles sont aussi des maires. Est-ce qu'il y a une volonté de stopper cette force qui aujourd'hui entretient la Palestine ou la cause palestinienne? Nous œuvrons pour que tout cela cesse. Mais à ce jour, j'ai personnellement écrit deux fois des lettres au nom de l'Organisation de la femme arabe au commissaire aux droits humains à Genève.
attirant son attention sur cette situation en Palestine. Et naturellement, je parlais avant, c'était avant Gaza, je parlais des femmes qui sont en détention depuis plusieurs mois et plusieurs années. Il n'y a eu aucune réaction, mais nous allons continuer à œuvrer. Et manifestement, vous êtes très documentés, vous connaissez les noms des responsables qui, à ce jour, n'ont pas fait grand-chose. Quand la directrice de UN Women, l'Organisation des Nations Unies pour les femmes, quand elle a présenté son rapport au Conseil de sécurité, elle a été huée. Et elle a été mise sous pression, elle a été harcelée et poussée pour qu'elle démissionne. On a dû faire toute une campagne, une contre-campagne, pour une contre-offensive, je dirais, pour neutraliser un peu la situation, parce qu'elle avait dit la vérité. Elle était allée à Rafah, elle avait vu ce qui se passait, elle avait dit devant le Conseil de sécurité, c'est une situation intenable, il faut que des mesures soient prises d'urgence. Et elle a décrit la situation déplorable des populations palestiniennes qui étaient sous les bombardements. Eh bien, tout ce qu'elle a récolté, c'est une offensive médiatique énorme menée par des médias sionistes et qui ont malheureusement contrôlé les grands centres de décision internationale, malheureusement. Mais nous, on l'a soutenue, elle aussi. Et donc, c'est un combat. Il y a une offensive et une contre-offensive. Moi, je vous appelle, vous, les médias qui êtes engagés au service de la vérité, vous êtes professionnels et vous avez un engagement humain, je vous invite tous à ce que nous soyons tous solidaires dans ce combat pour défendre le droit, pour défendre les droits humains, pour défendre les populations qui sont en situation tragique, comme celle de Gaza en ce moment, des femmes en détention plus largement. Ça fait des années qu'on écrit, qu'on fait des contacts pour que tout cela soit réorganisé. Mais il faut qu'il y ait un procès, il faut qu'il y ait des délais pour la détention. Pas détenir quelqu'un indéfiniment sans qu'il ne soit accusé de quoi que ce soit. Moi, j'ai reçu des mamans qui sont venues se plaindre que leur fille avait été interpellée à 5h du matin de la maison alors qu'elle est universitaire à Birzeit. Et la maman ne sait pas quelle est l'accusation portée contre sa fille. Elle est venue me voir en pleurant. J'ai écrit ça, c'est ce jour-là où j'ai écrit au commissaire des Nations Unies. Oui. Mais rien, niet. On va continuer à faire pression, madame, et nous sommes partenaires dans cette pression. C'est vrai que je n'ai pas apporté des solutions, mais j'ai apporté quand même un témoignage et j'ai peut-être levé le jour sur des actions qu'on entreprend sans relâche au sein de tous les réseaux internationaux et surtout au sein des Nations Unies. Et permettez-moi de vous dire, madame, je comprends que vous soyez en situation de colère, comme je le suis d'ailleurs, mais nous avons intérêt à nous aligner sur les Nations Unies parce que c'est au nom du droit international humanitaire qu'on doit faire notre combat pour être défendu et protégé. Nous ne pouvons pas mettre en question et être sceptiques à l'égard de l'ordre international qui est le seul à pouvoir nous défendre. Vous avez vu comment nous absolument, mais défendu, madame. Absolument, absolument. Alors, mais nous n'avons pas d'autres. Oui, 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 absolument. Mais le secrétaire général des Nations Unies a été tout de même intimidé du fait de sa condamnation ou de la condamnation des agissements de l'entité sioniste, madame Fadwa Kiwan. Oui, oui, je sais. Absolument, c'est pour cette raison que nous devons lui manifester un soutien pour neutraliser les pressions qui sont exercées sur lui de l'autre côté de la barrière. Il faut que nous soyons très forts et que nous fassions entendre notre voix pour que ceux qui font pression sur lui pour le faire basculer dans leur camp sachent qu'il y a des gens en face d'eux. C'est un combat entre autres médiatique. Absolument. Ce n'est pas seulement un combat de missiles, c'est un combat médiatique et on ne gagne jamais la guerre au 21e siècle, rien que par les missiles. On gagne la guerre par les médias. Et je suis certaine que nous pourrions obtenir gain de cause si nous étions tous solidaires, madame. C'est la solidarité qui est notre flanc faible. Madame Fadwa Kiwan, merci infiniment. Merci d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, madame. C'est un plaisir, madame. Bon courage. Fadwa Kiwan est directrice de l'Organisation des femmes arabes, fondatrice, ancienne directrice de l'Institut des sciences politiques de Beyrouth, consultante auprès d'organisations internationales. Les Palestiniens de nourriture, utiliser la famine comme une arme de guerre, voir des enfants affamés arracher des herbes folles pour les avaler bouchée après bouchée est en effet insoutenable. Mais dans cet insoutenable qui nous oblige à détourner le regard, il y a des degrés. Avoir atrocement faim et sans aucune mesure.
Se distançant de l'horrible, certains iront larguer des aides. Un parachutage qui se fera en mer. L'opération oblige les Palestiniens à prendre l'eau au prix de leur vie. Un parachutage insensé. Ou peut-être une volonté insensée de vouloir faire fi du contrôle des côtes de Gaza par l'entité sioniste. Avec nous en ligne, Madame Bouchra Khalidi, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes porte-parole de l'ONG Oxfam. Madame Bouchra Khalidi, quels sont aujourd'hui les rapports que vous établissez? Que disent vos rapports? Nous avons des rapports de nos collègues, des collègues qui ne sont pas encore coincés dans le nord, qui n'arrivent pas à évacuer au sud, qui se nourrissent de nourriture pour les animaux. On en est là. Ce sont des collègues qui ont des travails, qui leurs enfants allaient à l'école et maintenant se retrouvent à chercher à manger où ils peuvent le trouver, jusqu'au point que même cette semaine, il y a eu un rapport que même la nourriture des animaux est en train de se terminer dans le nord. Nous, on travaille dans le nord avec des agriculteurs. Tous ces agriculteurs ne travaillent plus. Il n'y a plus de production agriculture à Gaza depuis les dernières 5 mois, surtout dans le nord. Et puis, il faut savoir que la terre à Gaza est très riche en minéraux parce qu'elle est près de la mer. Et donc, il y a vraiment un vaste potentiel en fait d'agriculture qui maintenant n'est pas possible. Et que déjà, avec les actions d'Israël qui restreignent l'aide humanitaire, même en général, oui. En plus des pertes de production agricole, bien sûr que ça va avoir un effet direct sur la malnutrition et la faim, risquant cette famine. C'est une situation de famine, on va dire, programmée. Oxfam indique que près d'un quart des exploitations agricoles et 70% des embarcations de pêche sont détruites, ont été détruites par l'entité d'occupation. Oui, c'est bien ça. Nous travaillons avec une des plus grandes organisations locales qui se focalise sur le support agricole. Exactement, ce sont les chiffres qu'ils ont partagés avec nous sur l'impact des bombardements sur les fermes de Gaza. Mais il est très difficile, en fait, de comprendre la situation sur le terrain, puisque nous, en tant qu'humanitaires, nous sommes aussi restrictés à entrer à Gaza. C'est très difficile d'y rentrer. Oui. Et puis, c'est presque impossible d'accéder le nord. Donc aussi, nous, en tant qu'humanitaires, on n'arrive pas à faire notre travail normalement dans une situation comme celle-ci. Nous envoyons des équipes sur le terrain pour comprendre ce qui se passe sur le terrain et pour faire ces récoltes de numéros et de data. Mais c'est impossible pour nous de faire ça maintenant. Donc, nous ne pouvons pas vraiment donner des chiffres exacts, mais nous savons qu'il y a des gens qui meurent de faim dans le Nord. Madame Bouchra Khalidi, la directrice d'Oxfam pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord a déclaré « Le risque de génocide ne cesse de croître dans le nord de la bande de Gaza, car le gouvernement israélien, rajoute-t-elle, ignore l'une des principales dispositions de la Cour internationale de justice, à savoir la fourniture des services de base et d'une aide humanitaire dont le besoin est urgent ». Nous notons très bien que la Cour de justice internationale, elle a dit qu'il y a un risque de génocide. Mais même avant la Cour internationale de justice, il est très important de le mettre en contexte. Avant le 7 octobre, Israël avait aussi des obligations et sous le droit international de protéger la population palestinienne qu'elle oui. occupe. Même avant le 7 octobre, ceci n'était pas le cas. Maintenant, on voit l'impact de ces bombardements depuis 5 mois sur le terrain et sur la population civile. Et la Cour internationale a trouvé que oui, il y a en effet un risque de génocide. Donc nous notons très 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 bien cette décision de la Cour et nous demandons à Israël d'intervenir immédiatement, ce qu'elle n'a pas fait. Et Amnesty hier et d'autres organisations internationales aussi ont montré et souligné que même la situation est pire, elle s'empire du jour en jour. 300 000 civils dans le nord de la bande de Gaza, on va dire presque, pour ne pas dire totalement, coupés du monde pendant les 4 derniers mois. Comment faites-vous pour leur faire parvenir l'aide? Donc, en tant qu'organisation internationale, cela fait 5 mois que nous appelons à un cessez-le-feu et depuis 1 mois, nous appelons à un embargo d'armes sur le gouvernement israélien. Nous l'avons souligné maintes fois que nous ne pouvons pas provenir de l'aide dans cette situation et sous des bombardements. Oui. Nous n'arrivons pas à arriver même dans le nord. Il y a eu en 1 mois, il me semble, à peu près entre 10 et 20 camions qui sont rentrés dans le nord pour subvenir aux besoins de ces populations dans le nord. Nous travaillons avec une organisation Jouzoud qui a dû entraîner des gens dans le nord, dans les écoles,
pour les aider, pour pouvoir subvenir aux besoins, par exemple, de mères qui doivent accoucher, qui ont besoin d'assistance à la naissance, mais aussi post-natale et pré-natale. Donc, nous avons une toute petite opération avec une organisation partenaire locale, mais ce n'est pas suffisant. Enfin, une vingtaine de camions pour subvenir aux besoins quotidiens de 300 000 personnes, ce n'est rien et c'est presque vraiment une insulte. Nous avons vu la population palestinienne sur les frontières de Rafah. Les images sont à la limite apocalyptiques. À la recherche d'une denrée quotidienne, au risque d'être pilonnée par l'aviation militaire. Dans ces conditions, madame, quels sont les témoignages qui vous parviennent? Quelles sont les alertes que vous lancez? Et comment comptez-vous agir? Mais en fait, nous, en tant qu'organisation humanitaire, nous ne sommes pas la solution. Oui. Nous pouvons accompagner une solution politique. Et, absolument. Et vraiment, nous sommes très heureux de voir que l'Algérie, aux Nations Unies et au Conseil de sécurité, est active et proactive à demander une résolution sur cessez-le-feu qui a malheureusement pas passé. Mais c'est quelque chose qu'on appelle aux États membres, aux Nations Unies, de prendre des mesures pour faire pression pour qu'un cessez-le-feu arrive. Donc que ce soit avec l'arrêt de vente d'armes à Israël ou par d'autres moyens pour faire pression, il y a vraiment une pléthore de mesures que les États membres peuvent prendre. Et donc maintenant, puisque nos opérations sont partiellement stoppées à Gaza, parce que nous vraiment, essentiellement, nous ne pouvons pas opérer de cette manière, nous ne pouvons pas envoyer nos équipes sur le terrain pour livrer de la nourriture aux personnes quand elles-mêmes, nos équipes, ont faim et survivent sur un repas par jour. Oui. Donc ça va contre nos principes humanitaires. Nous n'arrivons pas à opérer de manière humanitaire, on va dire même. Nous appelons maintenant aux États membres de faire pression. C'est vraiment une des solutions qui auront le plus d'impact. Que la communauté internationale se mobilise et qu'elle prenne vraiment des mesures pour vraiment enforcer un cessez-le-feu, pour prévenir la famine à Gaza. Et maintenant, 2 mois plus tard, après que nous avons fait cet appel, nous voyons qu'il y a des enfants qui maintenant meurent de faim à Gaza. C'est vraiment tragique, apocalyptique, dramatique, catastrophique. Il n'y a plus de mots, on va vraiment, pour décrire l'horreur et le cauchemar que les Gazaouis vivent et succombent tous les jours maintenant à Gaza. Madame Bouchra Khalidi, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, madame. Merci. Je vous remercie, merci. Bouchra Khalidi est porte-parole de l'ONG Oxfam et elle était avec nous à partir de Ramallah. Participer à ce programme, Fedwa Kiwan, directrice de l'Organisation des femmes arabes. Rachid Khalidi, spécialiste de l'histoire du Moyen-Orient, détenteur de la chaire Édouard de Saïd, directeur du département du Moyen-Orient à l'Université Columbia. Bouchra Khalidi, porte-parole de l'ONG Oxfam. Shawan Jabarin, directeur général de l'organisation Al-Haq. L'Histoire en marche a été réalisée par Jalil Akhdar, coordonnée par Sami Haheli. Marim Abdou vous a accompagné au micro. J'aurai le plaisir de vous retrouver jeudi prochain à partir de 16h. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Inch'Allah.